السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد، حياكم الله تعالى en cette soirée du samedi rabi, عفوا 16 ربيع الأول 1442 ليجير، correspondant 24 novembre 2018 بإذن الله تعالى. طيب، donc إن شاء الله تعالى nous sommes avec le livre de Cheikh Ibn Rothimin, يعني عقيدة السنة والجماعة. نعم، le dogme des gens de la sunna et du consensus. نعم، le Cheikh Ibn Rothimin رحمه الله تعالى l'avait dit, on avait vu auparavant que عقيدتنا c'était l'Iman بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وقدر خيره وشره. C'est-à-dire que notre foi consiste en la croyance en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin bon ou mauvais. طيب. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, c'est le cours numéro 22. Mais peut-être que ce n'est pas 22. Il y a à peu près, je ne suis pas très sûr. Mais peut-être que vous devez savoir. Je peux regarder pour qu'on corrige, inshallah ta'ala. طيب. Donc notre croyance, c'est la croyance en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers au jour dernier. Donc nous, on a vu la croyance en Allah Azza wa Jal, en ses anges. Aujourd'hui, on va voir en ses livres. Donc c'est le cours numéro 26. C'est le cours numéro 26 et non pas le cours numéro 22. Jazakallahu khairan. Donc aujourd'hui, c'est quoi? C'est ce qui concerne les livres. En ce qui concerne les livres. طيب. Donc on va commencer par dire, une seconde, on va commencer par par rapport à la croyance au livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. Yani, on doit connaître certaines choses. Et ce que je vais citer maintenant ne se trouve pas dans l'explication de Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Mais ce sont des choses essentielles, yani, qu'il faut connaître bi'idhillah subhanahu wa ta'ala. Donc, croire au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est, entre autres, croire qu'elle a été descendue, que ces livres ont été descendus par Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et ça, c'est très important. Quand on dit que le Coran, yani, c'est le livre d'Allah, ça veut dire qu'il a été descendu par Allah, c'est lui, Azza wa Jalla, qui l'a fait descendre. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a fait descendre. Et croire au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est aussi croire au livre qu'Allah ta'ala a fait descendre avec leur nom. Naam. Par rapport au livre yani, dont on connaît les noms. Quand on ne connaît pas les noms, il n'y a pas de problème. On ne peut pas croire en un livre. Yani, on ne peut pas croire يعني à un nom d'un livre qu'on ne connaît pas. Les noms ont pas des livres que Allah subhanahu wa ta'ala a cités avec des noms. Yani, ces livres-là, on doit croire en eux, na'am, comme ils ont été cités avec leur nom, bi'idhnillah ta'ala. Bi'idhnillah ta'ala. Tayyib. Une seconde. Longueur de la page. Une seconde hein, par rapport à l'affichage. Comment je vais faire ici, disons. La longueur de la page.
Donc on a dit que tous les livres dont on connaît les noms, on doit croire en ces livres avec leur nom. Avec leur nom. Par exemple, le Coran. Coran, c'est connu. Naam. At-Tawrat. Tawrat, la Torah. Que Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sur Moussa alayhi salam. Par exemple, l'Injil. L'Évangile. Que Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sur yani, Isa alayhi salam. Iz-Zabur. Que Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. On est à Daoud alayhi salam. Quant au livre. Donc on n'est pas le nom, on croit en ces livres d'une façon globale, d'une façon globale. Voyez. Rentre dans aussi la croyance au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il faut croire et attester de la vérité de tout ce que contient ces livres. Naam. Tout ce qu'il y a dans ces livres, on doit croire en ces choses, sauf naam, la chose qui a été falsifiée, par exemple, naam, ou la chose, yani, non, disons la chose qui a été falsifiée, bien sûr. Si on sait que, par exemple, cette chose a été falsifiée, on n'a plus le droit de croire, yani, à tel, par exemple, verset de tel livre dont, yani, il a été falsifié. Quatrièmement, donc troisièmement, c'est croire en la attestée de la véracité des informations et ce que contient ces livres. Quatrièmement, le fait de mettre en œuvre ce qu'il y a dans ces livres, c'est-à-dire l'amal, là, les œuvres, l'âme, appliquer, l'application de ce qu'il y a dans ces livres, à condition, l'âme, qu'on soit sûr que yani, ça n'a pas été abrogé. Naam, ça n'a pas été abrogé. Et comme vous savez, tous les livres naam, précédents ont été abrogés par le Coran. Tous les livres précédents ont été abrogés par le Coran. Tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala dit une seconde. Non. Une seconde. Et le fait que on doit croire en tous ces livres, en tous les livres que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. Regardez par exemple lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran par exemple, Maïda 48, wa anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min kitab wa muheymina alayh. Non. Attendez, peut-être celui qui précède. Ici, ça veut dire en ce sens, ça veut dire. Et sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité. Le livre, c'est le Coran. Pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Prévaloir sur lui, ça veut dire que là, c'est le Coran qui prévaut. Les autres, yani, on ne prend plus de naam. Sauf si on est sûr que la chose n'a pas été yani, falsifiée et que ça ne se contredit pas avec le Coran. Et que ça ne se contredit pas avec le Coran. Regardez la preuve qu'on doit croire en tous les livres lorsque Allah Ta'ala a dit آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه المؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. Le messager a cru en ce qu'a fait descendre vers lui, venant son Seigneur, et aussi les croyants. Nous aussi, on croit. Tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres. Pas à son livre au Coran, non, à ses livres. Tous les livres que Allah Ta'ala a fait descendre, on doit croire en ses livres. Naam. Continue. Donc, le fait, il y a la croyance au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala en ces livres, c'est un pilier de la foi. Un des piliers de la foi. Et personne ne devient croyant, naam,
s'il ne croit pas au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme quelqu'un va dire par exemple, je crois en tout, mais je crois pas au livre. Je crois en Allah, je crois au paradis, je crois, mais je crois pas en ces livres. Il est capable. Même s'il dit, je crois en Allah, je crois en tout, je crois en ces livres, je ne crois pas seulement en la Torah. C'est pas lui qui l'a fait descendre. Il devient kafir. Non. Donc si quelqu'un renie un des livres d'Allah subhanahu wa ta'ala, sachant que ce livre vient d'Allah, il devient kafir. Non. Taïb. Et la preuve que yani, Allah subhanahu wa ta'ala a enjoint aux croyants, non, de croire en tout ce qu'il a descendu, c'est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, Qulu amanna billahi, non, wa ma unzila ilayna, wa ma unzila ila Ibrahim, wa Suhayl, ila akhir al-aya. On va voir ce verset ici. Amanna billahi. Voilà. Salam alaikum, cher. Vous n'avez plus de mic. Donc nous croyons en Allah et en ce qui nous a été révélé et en ce qu'on a fait descendre sur Ibrahim et Ismaël et Ishaq et Yaqub et les tribus et en ce qui a été donné à Moussa et Issa. Et ça dirait ce qu'ils appellent les autres Jésus. Et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. Et à lui, nous sommes soumis. Et à lui, nous sommes soumis. Non. Et celui qui renie, comme j'ai dit tout à l'heure, un livre, non, un seul livre, non, celui-là, il n'est plus croyant. Il n'est plus croyant. Et Allah Ta'ala a dit en ce sens, dans ce verset 36, 136, وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Quiconque ne croit pas en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, et au jour dernier, s'égare loin dans l'égarement. Donc, celui qui ne croit pas au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, yani, s'égare loin dans l'égarement. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est quel est le but, quel est le but de la descente des livres. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ces livres. D'abord, on va voir Mawad et al-ittifaq ben kutub samawiyya. D'abord, on va voir les points communs qui existent entre les livres célestes. Tous les livres que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, il y a des points communs et des points yani, qui divergent. On va commencer par quels sont les points communs entre ces livres, entre les livres que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. Taïb. Ce qu'il faut savoir, c'est que yani, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ces livres. Non, pourquoi? Yani, pourquoi on l'adore? S'il n'y avait pas de livre, on ne saurait pas, non, on ne saurait pas donc qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Ensuite, Allah Ta'ala envoie les messagers, pourquoi aussi, non, pour yani, expliquer ce qu'il y a dans ces livres. Car quelqu'un, si quelqu'un va nous dire, les livres nous suffisent, pourquoi il envoie aussi les messagers? Justement, non. Car le livre, non, le même livre, on va ramener 10 personnes, on va leur dire, lisez le même livre, lisez ce verset, ce qu'il dit, chacun va le comprendre à sa façon. Et chacun va se donner raison à lui-même et dire à autrui, c'est toi qui as mal compris. Et ça peut engendrer même des disputes, on peut même se quereller au point où on va quoi? On va aller s'entretuer. Voilà, 10 personnes, 10 compréhensions différentes. 100 personnes, 100 compréhensions différentes. Et comme ça. Mais maintenant, si il y a, il y a, c'est-à-dire, on s'est pas mis d'accord. Il y a un désaccord entre 2 personnes, par exemple. Non. Qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir à notre prophète. Le prophète, c'est-à-dire de l'époque en vie. C'est lui qui va nous expliquer, non, que veut dire ce verset. Voyez.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les livres descendus du ciel, Naam, ont des points communs, entre autres, on va citer certains points communs, entre autres. Wihdatul Masadir. Un, Wihdatul Masadir. L'unification de la source. Tous les livres, Naam, qui ont été descendus du ciel, viennent de qui? Viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a pas, par exemple, le Coran est venu d'Allah, la Torah est venue des anges, Naam, l'Injil est venu de Adam. Non, tous les livres, walhamdulillah, viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va lire ce verset, qu'est-ce qu'il dit? Ali Imran, 1, 2, 3, 4. Alif, bismillah ar-Rahim, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum, نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. ألف لام ميم الله pas de divinité qui mérite l'adoration à part lui. Ici, ils ont dit, ils ont pas mis qui mérite l'adoration, ça. Donc, c'est faux, je corrige. Pas de divinité, yani haq, non, qui mérite l'adoration par lui. Le vivant, voilà, je crois que le digne d'être adoré, ça. Le vivant, celui qui subsiste par lui-même, le qiyum, il a fait descendre sur toi le livre, yani le Coran, avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui, descendus par Allah. Et il fit descendre la Torah et l'évangile, c'est-à-dire Allah. Il fit descendre la Torah et l'Évangile auparavant en tant que guide pour les gens. Et il a fait descendre le discernement. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait descendre tous ces livres. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait descendre tous ces livres. Donc alhamdoulilah, il y a quoi? Il y a donc unification par rapport à la source de ces livres. Par rapport à la source de ces livres. Deuxièmement, quels sont les points communs aussi? Il y a Wihdat al-Ghaya. Wihdat al-Ghaya. C'est-à-dire l'unification de la fin. C'est-à-dire du but. Des livres qui sont descendus. Non, sont descendus pour un but. C'est-à-dire, ne sont pas descendus comme ça seulement pour descendre, mais pour un but. Naam. Vous voyez? Donc, tous les livres qui sont descendus par Allah subhanahu wa ta'ala ont un but commun. Tous ces livres appellent à yani, adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Sans associer. Tous ces buts, tous ces livres aussi appellent à l'islam. L'islam. C'est quoi l'islam? C'est la soumission. Aslama, il s'est soumis. Non. Beaucoup croient que l'islam, c'est yani, la dernière religion. C'est pas vrai. Tous les prophètes sont venus avec l'islam. Tous les prophètes sont, et les messagers sont venus avec l'islam, en commençant par Adam le premier, et Nuh, c'est le premier prophète, Adam le premier, Nuh c'est le premier messager, Adam c'est le premier prophète, en terminant par notre prophète Mohammed alayhi sallam. Tous sont venus avec l'islam. Tous sont venus avec l'islam. Il a donné certains versets qui prouvent cela. Allah Ta'ala dit dans Nahd 36, ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire quoi? Adorez Allah, écartez-vous du tarot. Tarot, c'est, yani, shaitan et tout ce qui est dans ce sens. Naam. Donc, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour dire quoi? Adorez Allah,
Écartez-vous du tarot. Adorez Allah, écartez-vous du tarot, c'est ça l'islam. C'est ça l'islam. Donc tous les messagers sont venus pour dire adorez Allah. Donc tous les messagers sont venus pour l'islam, avec l'islam. Naam. Aussi, faut savoir aussi, naam, que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, il a dit Ali Imran 19, Inna ad-din 'inda Allah al-Islam. Inna ad-din 'inda Allah al-Islam. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Quand il veut dire l'islam, il ne veut pas dire seulement l'islam avec lequel est venu le prophète al-Islam, mais l'islam avec lequel sont venus tous les messagers. Naam. La religion acceptée, c'est l'islam. Aucune autre religion n'est acceptée. Quiconque ne se soumet pas à Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas accepté de lui. La preuve aussi, naam, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a enjoint à Ibrahim aussi, naam, de suivre l'islam. Enjoint à Ibrahim de suivre l'islam. Par exemple, dans ce verset, إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Allah Ta'ala parle à Ibrahim, il lui dit, et quand son Seigneur lui avait dit, soumets-toi, il a dit, je me soumets au Seigneur de l'univers. إذ قال له ربه أسلم, أسلم. Non. Il a répondu, أسلمت, je me suis soumis, je me soumets au Seigneur de l'univers. أسلمت, du mot islam, hein? Islam, je me soumets, la soumission. Tout musulman est soumis. C'est pour ça que maintenant, quand quelqu'un va dire je suis musulman, il ne prie pas. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Il se soumet pas. Non. Je suis musulman, mais il ne fait rien. Non, il ne fait rien des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de faire. Et il n'évite rien des choses que Allah ta'ala a ordonné d'éviter. Donc, où est la soumission? Où est la soumission? Donc, sa soumission, non. Si par exemple il prie seulement, non, on va dire est très faible, très faible. C'est pour ça que yani, mon islam, ton islam, son islam, non, diffère d'une personne à l'autre, d'après le degré de soumission. Plus il y a soumission, plus ton islam est plus parfait que le mien. Non. On va trouver deux personnes, les deux sont musulmanes, celui-là par exemple, sa soumission, par exemple, là, est à 80%, l'autre par exemple à 60%, l'autre 40%. L'autre 10. Et plus on va, plus on monte vers les générations et années précédentes des selfs, plus ça monte, plus ça monte. On va trouver, par exemple, ce sont des exemples, c'est tout. Par exemple, la soumission chez Abou Bakr, par exemple, était de, par exemple, là, 95%. Non, ensuite, un autre 94, 93, et ça descend. Et non, chez nous, non, mais ça descend, ça va descendre encore jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de soumission, l'ayad billah. Ni salat, ni rien, ce sera la fin du monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala raffermisse nos cœurs sur la soumission et la droiture. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à Ibrahim. Il lui a dit, soumis-toi. Entre en islam. Il a dit, je me suis soumis. Non. Et Allah subhanahu wa ta'ala a parlé aussi à Moussa, Moïse. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il nous parle de Moussa ici. Il a dit, Waqala Moussa, ya qawm, in kuntum amantum billah, fa'alayhi tawakkalu, in kuntum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ce qu'a dit Moussa à son peuple. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Ô bon peuple, si vous croyez en Allah, placez votre confiance en lui, si yani, vous lui êtes soumis. En arabe, c'est écrit. C'est dit, in kuntum muslimin, si vous êtes musulman. En français, ça a été traduit, si vous êtes soumis. Donc, pour dire que la soumission, c'est l'islam. Pour dire que la soumission elle-même, c'est l'islam. Je suis musulman, ça veut dire je me suis soumis. Donc, vous avez entendu ce que Moussa leur a dit. Non, il leur a dit, placez votre confiance en Allah, si vous êtes musulman. Taïm. Et les apôtres de Isa alayhi salam, qu'est-ce qu'ils ont dit à Isa, les apôtres de Isa alayhi salam, on appelle de Jésus,
Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Naam, Allah Ta'ala dit, Imran, فَلَمَّا حَسَّ مِنْهُمُ الْكُفْرِ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Puis quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit, qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Les apôtres dirent, nous sommes les alliés d'Allah. Nous croyons en Allah et sois témoin que nous sommes musulmans, que nous lui sommes soumis. En arabe, que nous sommes musulmans. Wa anna muslimun. Ça veut dire que nous nous sommes soumis. Naam. Donc, vous avez bien compris maintenant, inshallah ta'ala, que yani, la finalité et le but de, yani, de tous les livres envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et d'être soumis à sa religion et donc d'être musulman. Ils ont tous le même message. Ils ont tous le même message. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est l'aqida. En ce qui a rapport au dogme. Par rapport au dogme. Naam. Une seconde. Donc on était à Fumasail l'aqida. Naam. Par rapport à l'aqida. Les livres que Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre, ces livres, on parlait par exemple, naam, de la croyance au monde invisible, la croyance au messager, la croyance à la résurrection, la croyance au jour dernier. Naam. Tous les livres que Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre, même avant le Coran, on parlait de ça. Donc, ce qu'il y a de point commun, c'est que les choses qui ont rapport avec la aqida ne sont pas abrogées. Et sont, yani, toutes les mêmes. Ce sont des choses qui ont rapport à la aqida, ça ne peut pas changer. Il n'est pas possible que, par exemple, Isa alayhi salam leur ait dit qu'il y a deux sirats. Ou alors que Moussa a dit qu'il n'y a pas de sirat. Ou alors que un autre nabi a dit que, par exemple, le sirat, si nous on sait qu'il est fin, il va dire qu'il est très large. Et comme ça. Non, c'est aqida, ça ne peut pas changer. Voilà. Si par exemple on sait que il y a deux anges qui vont venir, qui s'appellent Nakir ou Munkar, dans la tombe, ça veut dire que ce sont eux qui vont venir pour tout mort, toute personne qui va mourir. Et comme ça, la aqida, naam, ne change pas, c'est la même, naam, comme le faux messie, comme, naam. Donc le point commun, c'est que la aqida est la même. La aqida est la même. Il est possible, je dis, il est possible que, par exemple, nous, on soit plus au courant que certaines générations qui nous ont précédés, par exemple, dans certains détails dans la aqida. Il est possible. Car notre livre est plus complet, contient beaucoup plus de détails, par exemple, que les autres livres. Mais dans la globalité, l'aqida est la même dans tout, avec tous les messagers venus dans tous les livres, descendus par Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Ça c'est par rapport à l'aqida. Quatrièmement, il y a des choses aussi, maintenant par rapport au qawaid l'amma, par rapport aux règles générales. Non. Les règles générales sont aussi les mêmes et ne changent pas de livre en livre. Les règles générales sont aussi les mêmes. Non. Tous les livres sont venus, les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour yani, nous montrer qu'il y a des qawaid, des règles générales qui ne changent pas. Non. Par exemple, en ce qui concerne que quand on meurt, il y a par exemple Thawab et il y a l'Iqab. Quand on meurt, par exemple, il y a la récompense, la rétribution en bien, et il y a le châtiment. Naam. Et que par exemple, toute personne
toute personne, n'am, sera rétribuée en rapport à ses œuvres. À ses œuvres. Ça ne change pas. Dans tous les livres, n'am, chez tous les gens. Et que Allah subhanahu wa ta'ala châtie la personne, n'am, d'après ses péchés. N'am, d'après ses péchés. Et que par exemple, dans les règles générales aussi qu'il y a dans tous les livres, que Allah subhanahu wa ta'ala, n'am, ne châtie pas une personne à cause d'un péché fait par une autre personne. N'am, il n'y a pas ça. Si moi j'ai volé, ni mon fils, ni mon épouse, ni ma fille, ni mes cousins, ni ne seront châtiés à ma place si je ne fais pas tauba. C'est la personne elle-même qui a fait le péché qui doit rendre les comptes. Pas une autre personne à sa place. N'am. Et dans les règles générales aussi, que la rétribution en bien, les récompenses, etc., n'am, ne les a que c'est toi qui as œuvré, ou yani, une autre personne a fait quelque chose, n'am, et par exemple, tu l'as offerte, et l'a accepté, et cette chose t'est arrivée. Par exemple, une personne a fait l'aumône et a dit, dans sa niya, c'est pour X, X des morts. Écoute, là, t'as accepté, et cet aumône est arrivé. Mais, dans cette chose-là, c'est en fait, Naam, c'est Allah Ta'ala qui a permis. C'est lui qui a dit, par exemple, qui a permis que si une autre personne donne à ta place, il accepte, par exemple. Sinon, yani, on n'est rétribué en bien que parce qu'on fait nous-mêmes. Sauf, comme je viens de dire, les exceptions. Les exceptions. Naam. Comme on va citer, par exemple, dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ألم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى نعم ensuite il a dit وأن سعيه سوف يرى عفوا ألا تزير وزرة وزر أخرى وأن سعيه سوف يرى نعم ثم يجزاه الله تعالى يجزاه الجزاء الأوفى الجزاء الأوفى نعم ça donne à peu près en français. Ne lui a-t-on pas annoncé ce qu'il y avait dans les feuilles de Moïse? Ça, c'est dans les feuilles de Moïse, hein? Et celle d'Abraham, qui a tenu parfaitement sa promesse de transmettre qu'aucune âme ne portera le fardeau d'autrui, le péché. Hein? Et qu'en vérité, l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts, comme on l'a dit tout à l'heure. Et que son effort, en vérité, lui sera présenté le jour du jugement dernier. Le jour du jugement dernier. Donc, le fait qu'aucune âme ne porte le fardeau d'autrui et que aucun homme n'obtienne le fruit que de ses efforts. Ça a été cité où ça? Regardez le début. Il a dit, ne lui a-t-on pas annoncé ce qu'il y a dans les feuilles de Moussa et celles dans les feuilles de Ibrahim. Donc même chez Ibrahim et Moussa, hein, c'était écrit que voilà, personne Naam ne sera châtié par le péché d'une autre personne, ni ne peut être rétribué en bien par les bonnes œuvres d'une autre personne. Donc tout ça, c'est quoi? C'est commun à toutes les générations, Naam, pour qu'Allah Ta'ala a envoyé les prophètes. Quand par exemple le fait de la tazkiya du nefs. Nefs, hein, il faut lui faire la tazkiya. Vous savez ça. Si on va suivre notre nefs, on va se trouver en enfer vite. Pourquoi? Notre nefs, qu'est-ce qu'elle aime? Elle aime seulement les plaisirs et les passions et les tentations. C'est pour ça, hein, nous, on va lui faire le djihad pour qu'elle s'éloigne de ces choses et accepte d'être soumise à Allah subhanahu wa ta'ala. On a été créé pour ça. On a été créé pour, on fait djihad à cette nefs pour qu'elle adore Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. On va voir maintenant dans le verset, par exemple, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit,
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صحف إبراهيم وموسى à peu près en français. Certes, réussi, certes, qui? Celui qui se purifie. Se purifie, c'est-à-dire purifie son âme. Celui-là, il a réussi. Celui qui n'a purifie pas, donc, sans le vouloir, il va la souiller. Tu choisis ton âme, ou bien tu la purifies, ou bien tu la laisses. C'est elle qui fait ce qu'elle veut, donc elle se souille. Donc, a réussi qui? Celui qui l'a souillé ou celui qui l'a purifié? Celui qui l'a purifié. Et réussi, celui qui se rappelle le nom de son Seigneur, puis célèbre la salat. Quelqu'un va dire, Alhamdoulilah, moi, mon nefs, Alhamdoulilah, c'est moi qui la domine. Naam. Tu fais la salat. Franchement, je ne fais pas la salat, mais je domine mon nefs. Je domine, Alhamdoulilah, c'est moi qui commande. Mais Allah Ta'ala t'a dit, après avoir dit qu'il faut purifier son âme, il a dit qu'il faut prier. Donc a réussi celui qui célèbre la salat. Donc toi tu n'as pas de salat. Donc tu adores Allah comme tu veux. Tu fais ce que tu veux. C'est toi qui choisis comment adorer Allah. C'est pas lui qui t'enjoint ce qu'il faut faire. Il a dit, mais vous préférez plutôt la vie présente. Allah Ta'ala dit, vous préférez plutôt la vie présente. Ça c'est vrai. Naam. Alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Ceci se trouve certes dans les feuilles anciennes. Les feuilles de Ibrahim et de Moussa. Donc, naam. Allah Ta'ala parle ici que celui qui veut réussir, il doit purifier son âme. Il doit purifier son âme. Et ça se trouve où? Les deux derniers versets 18-19, il a dit ceci se trouve dans les feuilles anciennes, les feuilles de Ibrahim et de Moussa. Donc même Ibrahim et Moussa, Allah Ta'ala lui a enjoint qu'il purifie et qu'ils demandent à leur peuple de purifier leurs âmes. Donc ce sont des choses qui se trouvent dans tous les livres. Dans tous les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et ces règles générales que je viens de citer, naam, parmi les règles générales, il y a aussi le fait que cette terre sur laquelle nous vivons, Allah ta'ala a promis qu'il allait la faire hériter à ses hommes pieux, à ses serviteurs pieux. Lorsque Allah Ta'ala a dit, l'Anbiya 105, وَلَقَدْ كَتِبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. عِبَادِيَ qui? الصَّالِحُونَ. Nous avons certes écrit dans le Zabour, qui a été descendu sur Ibrahim, Daoud, après l'avoir mentionné dans le livre céleste, que la terre sera héritée par mes bons serviteurs. La terre sera héritée, tôt ou tard, par mes bons serviteurs. Par mes bons serviteurs. Ça aussi, ça rentre, yani, c'était écrit même chez qui? Même dans le Zabour. Avant que ça soit dans le Coran, avant que ça soit dans le Coran. Qu'est-ce qu'il y a aussi parmi les règles? Parmi les règles, yani dans les livres, qu'est-ce qu'il y a de commun? C'est, yani, qu'Allah Ta'ala enjoint la justice. Naam. Allah Ta'ala. Non, afwan. Voici le verset aussi qui dit, l'aqibatu lil muttaqin. Lorsqu'il a dit, naam. Moussa dit à son peuple, demandez aide auprès d'Allah et soyez patients. Car la terre appartient à Allah, il en fait héritier qui il veut parmi ses serviteurs. Et la fin heureuse sera au pur. Donc même Moussa ici a dit à son peuple que la terre appartient à Allah, il l'a fait hériter qui il veut. Ensuite, il aura dit qu'il l'a fait hériter à ses serviteurs qui sont pieux. Qui sont pieux. Sera au pieu. Non. Contact. Dis-moi, quand je vois certains émoticônes, est-ce que vous les voyez ou là, il n'y a pas seulement chez moi? Si.
Non. Il y a quelqu'un. Voilà, il y a quelqu'un en face de nous avec les lunettes. Il est en face de nous avec les lunettes. Je sais pas qu'est-ce qu'il est en train de regarder là. Non. Avec les lunettes. En train de sourire, je crois même. Non. Donc elle dit, ça vient. C'est pas de ma faute. Et il rit. Non. Nous, on parle des versets, on parle de l'au-delà, on parle de Jahannam, mais lui, il rit, il sourit, il est là. Il aime. Il n'a pas fait tout ce qu'il y a. Sûrement, il veut pas faire tout ce qu'il y a de son âme, celui-là. Malish, malish. Malish. On va voir où est-ce qu'on était. Voilà. C'est un non-pratiquant, ça. Parmi les règles aussi qu'il y a, parmi aussi les règles communes qu'il y a, Naam, c'est Allah Ta'ala enjoint l'adl ou le qist. C'est-à-dire l'injustice, afwan, la justice, la justice. Afwan. Allah a enjoint la justice et l'impartialité. Naam. Naam. Dans tout le précédent et aussi dans le Coran, Naam, on va donner quelques exemples. Bi'idhnillahi Ta'ala. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ليقوم الناس نعم بالقسط. Nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves. Preuves évidentes que les établissent la justice. Non. Non. Donc, Allah Ta'ala a dit, nous avons envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et on a fait descendre avec eux, avec les messagers, le livre, le Coran, hein, pour adorer Allah Ta'ala, et la balance. Hein, la balance, c'est pour quoi? C'est pour l'aide, la justice. La justice. Vous avez remarqué que dans les tribunaux, par exemple, la plupart des tribunaux, devant, il y a un emblème où c'est des une balle. Il a dit afin que les gens établissent la justice. Donc ça se trouve chez, c'est venu avec tous les messagers et dans tous les livres, Non. Parmi les règles aussi qu'il y a, c'est sixièmement, muharabat al-fasad ou al-inhiraf. Muharabat al-fasad ou al-inhiraf. La condamnation de la corruption sur terre, hein, c'est pas la corruption seulement l'argent, la corruption sur terre, tout ce qui est mal, mauvais, et la condamnation du dévouement. Et la condamnation du dévouement. Donc je disais, ça se trouve, yani, un point commun chez tous les messages qui sont venus. La corruption, soit qu'elle soit dans la aqida, ou bien qu'elle soit dans les comportements. De même que le dévouement. Non. Tous les messagers sont venus pour yani, condamner tout dévouement. Que ce soit le dévouement de la fitra, par exemple, de la prédisposition naturelle. Non. Ou bien yani, un dévouement dans la aqida, un dévouement dans le minhaj. Tous les dévouements. Non. Alors, yani, tous les messages sont venus pour condamner les dévouements. Et on va terminer par dire, par citer disons la septième règle, ce qu'il y a de commun dans les livres, c'est Dawa ila makarim al-akhlaq. L'appel aux bonnes mœurs et aux bonnes qualités. Non. L'appel aux bonnes mœurs et aux bonnes qualités. Parce que dans tous les livres, hein, dans tous les livres, il y a cela. Enfin, regardez par exemple ce verset, l'Anbiya 73, je vais le copier directement, Oui, j'ai dit, je cherchais vite le verset, l'Anbiya 73, ça chauffe, est-ce qu'il est? L'Anbiya, l'Anbiya, NBA
73. Chauffe ce verset, ce que ça donne à peu près en français, à peu près, hein. Nous les fîmes des dirigeants qui guidaient par notre ordre, et nous leur révélâmes, c'est-à-dire les messagers, hein, de faire le bien, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat. Ils étaient nos adorateurs. Donc même les messagers précédents, Allah Ta'ala leur a ordonné d'accomplir, de faire le bien, de faire le bien, et bien sûr d'enjoindre aux autres, à leur peuple, de faire le bien, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat. Naam. Donc ça aussi, ça rentre dans les règles générales. Naam. Et même, par exemple, la salat. Naam. Là, faut le siyam. Le siyam, vous savez que naam, nous, on le fait, que Allah Ta'ala l'a enjoint aussi au précédent, lorsqu'il a dit, Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum siyam, kama kutiba alladhina min qablikum. Naam. Baqara 183. Naam. Baqara 183. Une seconde. Pour les croyants, on vous a prescrit un siyam, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Donc c'est ça le point commun. On vous a prescrit le siyam, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Hein? Même la salat existait avant nous. Hein? Seulement ça a différencié un peu dans les rak'at, dans le nombre, dans peut-être le moment et comme ça. Naam. Voilà, inchallah ta'ala, par rapport à la croyance au livre, mais ce n'est qu'un cours. Il reste encore un autre cours, ou un troisième, par rapport au livre. Comme on va voir le prochain cours, inchallah ta'ala, on va voir, yani, des choses qui se différencient par rapport à l'autre livre, inchallah ta'ala. On va se rencontrer dans 10 minutes, un quart d'heure, inchallah ta'ala, pour les questions-réponses. Subhanak lahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Habib, confirme-moi, le prochain cours, c'est le numéro 27, inchallah, 27. Confirme-moi. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, non? 27, alhamdoulilah. Jazakallah khair. Inchallah. Wa'alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Il faut savoir que, naam, tous les livres qui sont descendus, que Allah Ta'ala fait descendre du ciel, naam, il les fait descendre par, yani, l'intermédiaire de Jibril alayhi salam. C'est lui l'ambassadeur entre, yani, entre lui, Allah Azza wa Jal, et ses serviteurs. Et ses serviteurs. Comme le Coran, par exemple. Il a été fait descendre par Jibril alayhi salam. Mais ça n'empêche pas que, par exemple, qu'il y ait quelques versets, ou un ou deux, qui sont descendus par un autre ange. Un autre ange, comme on l'a montré une fois, et on a cité même, c'était quel verset. Non. Mais en général, il y a l'intermédiaire entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses serviteurs par rapport à la révélation en général, c'est Jibril alayhi salam. Non. Pour toutes les nations et pour tous les prophètes. En général, il se peut qu'il y ait des exceptions, il y en a très très restreintes. Non, tfadhal. Jazakumullah khairan, cher. Donc, deuxième question. Est-il utile de lire les livres qui ont été descendus avant le Coran? Jazakumullah khairan. Il n'est pas conseillé. Il n'est pas conseillé de lire des livres qui Yani sont descendus avant le Coran, car pour deux raisons. La première, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Omar al-Khattab radiallahu ta'ala en train de lire quelque chose de la Torah. Il lui a dit, Amutahoui, qu'on a fait ya Omar? Il lui a dit, Wallah, si Moussa alayhi salam était vivant, il n'aurait eu d'autre voie que de me suivre. Donc, premièrement, il y a cette interdiction. Ou se reproche, disons. Et la deuxième des choses, c'est que notre livre est plus parfait, plus complet que tous les autres livres qui l'ont précédé. Donc, c'est un peu, hein, yani,
pas la comparaison des livres, mais pour que yani, vous compreniez, c'est tout pour faire arriver, yani, ils ont l'idée à la tête. Naam. Si on va te faire choisir, on va te dire par exemple, yani, prends cette voiture ou celle-là, naam, pour voyager. Entre, par exemple, là, par exemple, entre une R4, et une Audi pour voyager. Sûrement que l'Audi est meilleure. Et contient y a beaucoup d'options qu'il n'y a pas, par exemple, dans l'R4. Ça, c'est un exemple, c'est tout. Sinon, je fais pas de comparaison entre les livres. Tous sont venus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais notre livre est plus complet. Il contient tout ce qu'il y a dans les autres livres et plus. Donc, je vois pas pourquoi je vais revenir et y a une marche arrière. Maintenant, si quelqu'un veut lire, ce ne sont plus les livres. Bien sûr, ils ont été falsifiés. Naam. Surtout l'Injil. Ah, naam. Même la Torah, ils ont été falsifiés. Quand je suis en train de lire quelque chose dans les livres précédents, quelle est la preuve que ce verset, c'est la parole d'Allah et qui n'a pas été ajouté par les rabbins, par exemple? Et ensuite, je vais attester dans mon cœur des choses qui sont fausses. Et ça va devenir grave et je peux dévier du chemin. Donc c'est très dangereux. Sauf si quelqu'un, qui est par exemple un savant, qui veut lire, par exemple, un de leurs livres, par exemple, pour réfuter ce qu'ils disent, pour le répliquer. Non, ça, non, c'est possible. Mais quelqu'un de nous, comme ça, simple, qui va lire des livres, non. C'est pour ça que, par exemple, je donne un exemple. Par exemple, Ahmed Didat, rahimahullah, c'est connu, non. Il a bien sûr des fautes, même lui, il a des fautes dans l'aqidah et dans le minhaj. Mais, yani, c'était peut-être le meilleur à répliquer à qui? Aux chrétiens, par exemple. Pourquoi il pouvait? Parce qu'il connaissait, par exemple, l'évangile par cœur. Même les quatre évangiles, il les connaissait par cœur. S'il connaissait pas ça, il pouvait pas réfuter les textes des chrétiens, par exemple. Mais, comme j'ai dit, non, ce n'est pas donné à tout le monde. Et lui, peut-être qu'il avait commencé par les évangiles, peut-être, je ne sais pas. Et peut-être après, il a connu l'islam, donc il a trouvé que il connaissait déjà l'évangile. Peut-être, Allahu a'lam. Sinon, yani, comme je disais, on a le Coran, ça nous suffit, inshallah ta'ala. Tfadal. Donc, troisième question. Assalamu alaikum. Avec des frères, nous avons étudié plusieurs livres, Al-Halal, dont les quatre règles, les trois fondements, les leçons importantes à l'ensemble de la communauté de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Pourriez-vous nous conseiller au stade où nous sommes arrivés un livre? Ouais, il demande un conseil de votre part pour les orienter vers un livre à étudier qui nous serait bénéfique, qu'Allah vous préserve et vous récompense. Jazakumullah khairan, cher. Je vous conseille par exemple Keshf Cher, vous avez perdu le mic. J'ai dit, je vous conseille par exemple Keshf Shubuhat de Mohammed Ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous conseille ce livre, insha'Allah ta'ala. Tfadal. Jazakumullah khairan, Cheikh, wa ahsanallahu ilaykum. Donc, quatrième question. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense. On a dit que l'âme aime les passions et les choses faciles. Et dans un hadith Qudsi, on sait que l'enfer est entouré de ces choses-là. Mais dans Sourate Shams, Allah tabaraka wa ta'ala dit, et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété. Comment comprendre cela? Comment concilier ces deux choses? Jazakumullahu khairan, tafaddal cheikh. La personne demande comment concilier entre deux choses. Quand on demande à concilier entre deux choses, c'est que les choses sont apparemment yani, contradictoires. Donc je voudrais d'abord savoir où est yani, la contradiction pour que je cherche à concilier, inshallah ta'ala. Que la personne nous dise, d'après elle,
Où est le problème, yani, de la contradiction? On passe à une autre question, le temps que la personne nous dise, Inch'Allah ta'ala, tfadhal. نعم جزاكم الله خيرا شيخ اخي فوزي سي تو بو فوار افيك لو فرير ان شاء الله دونك سانكيام كيسيون السلام عليكم ما فامي و moi comptons faire la hijra cette année ان شاء الله mais depuis un an je suis éprouvé au travail avec des tremblements des palpitations seulement au travail anxiété ou mal occulte je ne sais toujours pas est-ce une raison valable pour porter la hijra جزاكم الله خيرا Moi, personnellement, je ne pense pas. Non. Peut-être même que je dirais le contraire. Puisque j'ai ces palpitations et ces tremblements dans ce travail. Peut-être qu'en quittant maintenant Bilad le coffre et en allant vers Bilad l'islam et de, yani, travailler dans un pays d'islam, peut-être que je vais plus avoir ces palpitations, etc. Peut-être que je disais maintenant que je suis dans Bilad le coffre. Peut-être qu'en faisant cette adoration, de faire la hijra, qu'inch'Allah ta'ala, yani, je n'aurai plus cela. Ensuite, si c'est dû peut-être à un mal occulte, c'est une raison en plus, yani, pour faire la hijra et faire ruqya. Car dans un pays musulman, il y a beaucoup plus de raqi et sur la sunna que dans un pays, par exemple, de kuffar. Que Allah subhanahu wa ta'ala, yani, te guérisse, que Allah subhanahu wa ta'ala te guérisse et te donne la force, yani, de faire la hijra, inch'Allah ta'ala. جزاكم الله خيرا شيخ donc sixième question شيخ j'ai pas pu suivre le cours depuis le début je voulais savoir si ce que vous avez dit ce soir était marqué dans le livre de Cheikh Ibn Uthaymin رحمه الله تعالى بارك الله فيكم شيخ Justement non quand j'ai commencé j'ai dit que yani, aujourd'hui on va pas parler de ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymin رحمه الله تعالى vous vous souvenez نعم نعم j'ai dit que yani, je vais parler d'autre chose, yani, parce que j'ai vu ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala par rapport au livre, et j'ai trouvé que c'était quoi? Que c'était très, yani, simple, et qu'il y avait dans d'autres livres, nan, yani, plus, disons, détaillé, plus détaillé. Nan, tfadhal. جزاكم الله خيرا شيخ donc le frère vient de répondre Shams Allah dit que l'âme a été harmonieusement façonnée et lui a inspiré son immoralité et sa piété. Et d'un autre côté, on sait qu'elle aime les passions et les choses qui ne demandent pas d'effort. Jazakumullahu khaira. L'âme, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé l'âme. Et l'âme, quand il a créé, il a mis une caisse divisée en deux. Il y a un côté où il contient des passions, etc., un côté où il contient les bonnes choses, etc. Et Allah Ta'ala a demandé à toute personne dans laquelle il a placé une âme dans son corps, âme, de faire prévaloir le côté bon sur le mauvais côté. Et attention de faire le contraire. C'est-à-dire que faire le djihad au mauvais côté pour que le bon côté l'emporte sur le mauvais. Sinon, si tu laisses les choses aller d'elles-mêmes, c'est le mauvais côté qui va yani, prévaloir et c'est lui qui va guider. Donc, on a dans notre corps une âme qui a un côté qui penche vers les mauvaises choses, disons le côté shayatin, et d'autre côté, ça penche vers les bonnes choses, les bonnes œuvres, disons côté ange. Donc, attention à ce que tu laisses le côté shayatin avoir le dessus sur les autres. Naam. Si c'est pas clair, Inch'Allah ta'ala, réécris-moi, j'essaie de réexpliquer, Inch'Allah. C'est comme lorsque Allah ta'ala a créé, par exemple, Shaitan. Nous tous, on a un Shaitan avec nous, mais il faut, yani, le combattre. Il faut combattre ce Shaitan, ne pas le laisser, yani, que ça soit lui qui commande. Non. جزاكم الله خيرا شيخ donc septième question est-il possible d'avoir une bonne aqida et d'avoir un mauvais comportement est-ce le cas des peuples qui ont cru en les livres qui ont précédé le Coran comme le peuple de Moussa جزاكم الله خيرا
Je n'ai pas compris, yani, la relation entre le début et la fin. Est-il possible d'avoir une bonne aqida et d'avoir un mauvais comportement? Était-ce, ah, non. Était-ce le cas des peuples qui ont cru en les livres qui ont précédé le Coran, comme le peuple de Moussa? Il est possible, non, de connaître la aqida, non, mais, yani, d'avoir un mauvais comportement. Pourquoi? Parce que cette aqida que tu viens d'apprendre, non, il faut aussi lui ajouter les bonnes mœurs et les bons adab, etc. Non, car tu peux apprendre, par exemple, je donne un exemple, tu peux apprendre l'aqida tahawiyya par cœur. Et tu peux réciter ce qu'il y a par cœur. Tout ce qu'a dit Tahawi et aussi l'aise. C'est-à-dire, il y a son explication aussi par cœur. Mais, non, tu as toujours un mauvais comportement, tu n'appliques pas. Tu as toujours, tu mens, il y a le hasad, il y a la namima, il y a riba. C'est pour ça que l'islam, c'est un tout. Il faut, yani, de tout prendre le maximum. Non, de akhlaq, de aqida, de... Non, c'est un peu comme un perroquet qui, on va lui apprendre, il va tout répéter. Alors que, yani, dans sa vie, yani, courante et normale, yani, il fait beaucoup de choses qui sont contraires, yani, à la bonne moralité de l'islam. Non. Tfadl. بارك الله فيكم الشيخ جزاكم الله خيرا دونك 8e question يا شيخ est-il permis de dire qu'Allah pense quelque chose بارك الله فيكم Est-il permis de dire que Allah pense quelque chose? Ce n'est pas permis de dire cela. Ce n'est pas permis de dire que Allah Ta'ala pense. Sinon, on va quoi? On va lui attribuer nam, un attribut sefa qu'il n'a pas. Nam, pense. Yufakir. Nam, yufakir. Cheikh Ibn Uthaymeen, par exemple, rahimahullah Ta'ala, a dit: celui qui dit qu'en islam, il y a le fikr islamique, la pensée islamique, il a dit il peut rentrer dans le coffre. Il a dit parce que quand on dit qu'il y a le fikr, il y a la pensée islamique. Donc l'islam, c'est des pensées. Alors que l'islam, c'est des jugements. Naam. Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est aqida, c'est fikr. Ce n'est pas des pensées. Naam. C'est ce qu'a fait Allah subhanahu wa ta'ala descendre, l'islam. Et ce qu'Allah Ta'ala descend, ce n'est pas des pensées. Les pensées, ça a un rapport avec l'être humain. C'est l'être humain qui pense. Ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, tfadl. بارك الله فيكم وفي علمكم شيخ est-ce que vous m'entendez bien car la prochaine question est assez longue est-ce que vous m'entendez bien Alhamdulillah donc 9e question je vous ai envoyé un email sur votre site pour vous demander si le cheikh peut faire un rappel bref et clair sur le comportement du musulman et notamment vis-à-vis des événements qui se déroulent actuellement en France En effet, beaucoup de sœurs et de frères se sentent concernés, soutiennent ou adhèrent au mouvement contestataire qu'on appelle les Gilets jaunes. La raison de leur adhésion à ces mouvements est le fait que nous soyons également concernés par le coût excessif de la vie ici en France. Merci de leur rappeler aux musulmans et aux musulmanes, chers, que nous ne partageons pas la même croyance et n'avons rien à voir avec eux. Même si leur motif de contestation nous concerne aussi, entre parenthèses, pouvoir d'achat, prix des carburants, etc. Cette façon d'agir ne nous est pas enseignée dans la sunna de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Nous, musulmans, on se désavoue complètement de ces gens et du mouvement qu'ils représentent. Selon la parole de l'éminent savant, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, le prophète, alayhi salatu wassalam, est resté 13 ans à la Mecque et il n'a pas fait de manifestation, ni de marche et n'a pas menacé les gens de les piller, de piller leurs biens, désolé, ou de les tuer. Barakallahu fikum, Cheikh. Deux petites remarques ici. La première. Je n'étais pas au courant de ce qui s'est passé ou ce qui se passe.
Non. Donc ces contestations et ce qui se passe, ces protestations, je viens de l'apprendre, ça fait peut-être 1 heure ou 2. Donc je n'étais pas au courant. On vient de me le dire allez, tout à l'heure. Ou disant maintenant à quelle heure qu'il est, il est 21h45 chez moi. Donc vers 19h ou 2, je l'ai appris. On m'a dit. C'est même mon épouse qui me l'a dit. Elle m'a dit, parce qu'elle était avec une amie, son amie lui a dit, et mon épouse me l'a dit. Elle m'a dit, tu sais pas ce qui se passe en France? J'ai dit, non, elle m'a dit, il y a des manifestations, etc. Elle a dit, la première des choses. Non. Et la deuxième des choses, le frère ou celui qui a posé cette question, non, il a dit que, allez, si je pouvais faire un rappel, ensuite lui-même a fait le rappel. Ensuite, lui-même a fait le rappel et a dit, voilà, etc., on est contre, on est ceci, on est cela. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je dise d'abord, Yanni Barakallah au fait lui, puisque il a dit ce qu'il fallait dire. Non? Donc, je réaffirme ce qu'a dit ce frère. Non, si c'est vrai, sûrement que c'est vrai, puisque vous confirmez aussi qu'il y a des manifestations. Non? Et qu'il y a une sorte de révolte ou quelque chose comme ça dans la rue, en France, je dis que ceci ne fait pas, non, ne fait pas partie. Aujourd'hui, c'est parti très loin à Paris. Oui. Non, je dis ceci ne fait pas partie de l'islam, ni de près, ni de loin. Et que l'islam interdit fermement toute manifestation. Non. Pour sortir. Et encore plus grave, pour casser ou brûler ou pour s'affronter avec la police, tout ceci, il n'y a pas en islam. Bi-idhnillahi ta'ala. Non. En islam, on envoie des, comment ça s'appelle en arabe, comment qu'on dit, des conseils par exemple. Non. On envoie des conseils, non. Voilà, on envoie des conseils ou Mesoul, c'est responsable, là, que ce soit président de la République ou ministre là, on lui dit, yani, il faut craindre Allah, c'est pas comme ça qu'il faut faire, yani, les gens sont malheureux, les gens sont pauvres, les gens sont ceci, enfin, c'est pas conseillé de faire des choses pareilles, comme ça, quand t'as allé sortir dans la rue et crier, et s'affronter, et brûler, et frapper, tout ça, l'islam s'en désavoue. Tous les savants de la Sunna sont unanimes pour dire ce que je dis, yani, car ce que je dis, ça, je l'ai pris d'eux. Hein. Et non, tous ceux qui sont sortis yani, en suivant leur passion. Non, ils n'ont pas d'ilm. Et s'ils ont du ilm, s'ils ont de la science, ils n'ont pas la science la vraie. Ils ont la science des takfiri ou des khawarij ou des ikhwan muslimin ou des. Nous, on se désavoue de tous ceux qui font, yani, ce genre de tapage dans les rues. Nam. Tfadl. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Sheikh. Donc, dixième question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum Sheikh. La semaine dernière, j'avais posé une question par rapport à l'épilation des poils du nez et vous m'aviez répondu. Et vous avez dit qu'on peut couper les poils des narines qui dépassent avec un ciseau. Mais c'est à moi d'utiliser un ciseau, entre parenthèses, peur de me blesser, difficile de couper le poil dans les narines, etc. Alors, est-ce que je peux utiliser une pince à épiler au lieu des ciseaux? Car c'est plus facile pour moi avec une pince à épiler, où seulement les ciseaux sont autorisés. Jazakumullahu khairan, et excusez-moi d'insister sur la question. Tafadhal Cheikh. Chauffe, pour répondre à cette question, il faudrait que je pose une question. Avec la pince à épiler, on enlève le poil, yani, de la peau, yani, de la racine directement. Est-ce que c'est vrai? Si c'est ainsi, voilà, c'est possible. C'est-à-dire, c'est possible que non aussi. Non. Donc, si ça s'enlève, yani, tout, yani, de la racine,
Je dis que je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Pourquoi? Parce que Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, quand on lui a posé la question, hein, voilà, c'est vrai, s'il est mal enlevé, il se peut qu'il se coupe de sa moitié, par exemple. Non. Cheikh Ibn Uthaymin, on lui a posé une question par rapport, une femme lui a posé des questions par rapport au poil qui se trouve, par exemple, entre les deux sourcils. Non. Et qu'il avait dit que c'était permis, comme ça il dit c'est permis si on coupe avec les ciseaux et pas en épile. Donc les savants font la différence entre épiler et yani, tailler avec le ossement, tailler avec les ciseaux. C'est pour ça que moi j'avais parlé de ciseaux, car on, avec les ciseaux on n'a pas tout enlevé, on a enlevé ce qui sort. Non. C'est pour ça que j'ai dit ciseaux. Maintenant pour épiler, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Mais je dis à la personne que même avec les ciseaux, ce n'est pas toujours qu'on se blesse, etc. Ce n'est pas toujours. Ensuite, la visibilité n'est pas la même dans le nez, ça. Non. Donc, si je trouve quelque chose par rapport à la peste, je vous le dirai, inshallah ta'ala. Jazakum Allah khairan, Cheikh. Donc, 11e question. Qu'Allah vous préserve et vous récompense, Cheikh, récompense les admins également. Je voudrais savoir, lors de la salat, après avoir dit Sami'allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd, j'aimerais savoir si avant de descendre en sujoud, devons-nous garder les bras le long du corps ou bien devons-nous les remettre croisés. Barakallahu fikum. Quand on dit Sami'allahu liman hamidah, on lève les mains, non, quand on est en état d'inclinaison ou d'inclination. Ensuite, on se lève. On dit Sami'allahu liman hamidah. On lève aussi les mains avec soi et on les met à droite et à gauche des oreilles. Ça, Sami'allahu liman hamidah. Et ceux qui veulent ajouter Rabbana wa lakal hamd, seulement il n'y a pas Alhamdu shukr. Le shukr, il n'y a pas, il y a seulement Alhamd. Quand il dit comme ça, ça n'y a pas le mot Alhamd ou Shukr. Mais s'il dit Rabbana lak alhamd, c'est permis. Al-Muhim. Ensuite, avant de faire le sujoud, il y a deux avis. L'avis qui dit que on ne croise pas les mains, les bras sur la poitrine. Et c'est l'avis de Cheikh Al-Albani. Au point, il a dit que celui qui, le fait de croiser les mains en cet endroit, c'est une bid'a dalala. C'est une bid'a égarement. Ça, c'est ce qu'a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. C'est la base. Il a dit, quiconque a un délil que le prophète sallam a mis à croiser les bras, les mains, dans cet endroit, il a dit qu'il ramène un délil clair. Non. Et d'autres, comme Cheikh Ben Baz rahimahullah, il a dit c'est permis. Il a dit, car le prophète sallam, quand il était debout, il y a croisé ses mains sur sa poitrine, et dans cette position ici, après s'être relevé, il est debout. Donc il a dit, yani, il les met debout. C'est pour ça qu'on a demandé à l'imam Ahmed, on lui a dit, yani, quand la personne se relève, naam, de l'inclinaison, et dit, Rabbana wa lakal hamd. Naam. Est-ce qu'elle croise les mains, met les mains sur la poitrine ou pas? Il a dit, l'amr wasi'a. L'amr wasi'a. C'est-à-dire, si tu veux mettre, mets les mains, tu ne veux pas, ne les mets pas. Donc voilà ma réponse. Moi, personnellement, je suis d'avis qu'on ne met pas. On ne met pas les mains. Mais si je vois quelqu'un mettre les mains, je ne lui dis pas pourquoi tu as mis. Pourquoi tu as mis tes mains. S'il veut par contre, quand yani, on parle avec les délits, on parle. Eh, viens, on s'assoit, on discute, donne tes délits, je donne mes délits. Mais pour que je lui dise pourquoi tu as mis tes mains, je ne lui dis pas. Parce que lui, sûrement qu'il est en train de suivre Cheikh Ben Baz ou Ahmed Ibn Hanbal ou un autre, rahimahullah ta'ala, jami'an. Et ensuite, il n'a pas, celui qui a mis ses mains n'a pas tiré ça de sa tête. Sûrement que, comme j'ai dit, il suit un des savants. Tfadlal. Jazakumullah, Cheikh, wa barakallahu fikum. Donc, 12e et dernière question.
Je suis étudiante en lettres modernes en France à distance. Du coup, j'étudie de chez moi. Alhamdulillah. Mais dans mes études, il m'arrive d'étudier la Bible ainsi que la religion chrétienne, tout en sachant que je suis convaincu que cela est faux. Est-ce que cela me fait prendre des péchés en étudiant le christianisme de manière brève? À côté, j'étudie la religion, alhamdulillah, et les histoires de nos prophètes en islam. Du coup, cela me permet de comparer. Mais est-ce que cela m'est néfaste? Ou au contraire, c'est autorisé? Jazakumullahu khairan. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Je dis, en général, pour quelqu'un qui n'a pas de contraintes, il ne doit pas lire les livres de religion, naam, des religions précédentes. Il lit seulement le Coran. Naam. Mais, dans le cas où il y a contraintes, quand par exemple quelqu'un, si on lui met dans le programme, il étudie à l'université, on lui met dans le programme qu'il doit étudier, par exemple, l'ancien livre, les anciens livres. Donc maintenant, s'il n'étudie pas, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir zéro dans cette matière. Et s'il a zéro, qu'est-ce qui va se passer? Donc il est possible qu'il double et qu'il passe pas à l'année suivante, et comme ça. Donc, non, si quelqu'un n'est pas contraint, qu'il s'éloigne de ses livres. Le Coran est parfait et nous suffit amplement, alhamdoulilah. Mais s'il est contraint, alors quoi? Qu'il prenne, le minimum, ce qu'il faut prendre, c'est tout. Hein? Ce qu'il faut prendre pour l'examen, qu'il le prenne. Mais, il ne s'étale pas aller beaucoup comme ça pour des choses qui ne sont pas obligatoires pour lui dans les études. Dans son cœur, penser que c'est abrégé, falsifié. J'ai pas compris ce que tu veux dire, Habib. Donc je ne sais pas si c'était ce qu'elle cherchait comme réponse. Et là, je lui ajoute une faïda de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, qui a dit que celui qui étudie les choses qui sont fausses, comme les anciens livres, ou là, des choses fausses dans la philosophie, ou là, et qu'il est obligé de répondre dans les examens. Il a dit, quand il répond, il dit que, par exemple, là, il dit, d'après ce qu'on a étudié dans le programme, voilà, telle et telle chose, par exemple, Dieu a un fils. C'est un exemple. Non. C'est-à-dire, il n'est pas en train de dire ce qu'il pense lui. Il est en train de dire ce qu'il y a dans le programme. Voilà. Pour que, qu'il prenne pas la responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala, ni devant ce professeur. C'est pas moi qui parle. Je vous dis ce qu'il y a dans le livre qu'on a appris et qui nous a été, contraint d'étudier. Voilà. Tel philosophe a dit, c'est pas moi. La Bible a dit, c'est pas moi. Non. Il est chez moins 5, il reste encore 5 minutes. S'il y a d'autres questions, tafadhal. Jazakumullah khairan, Cheikh. Il n'y a pas d'autres questions, mais je peux aller voir de mon côté si certaines personnes ont des questions, Inch'Allah. Naam, Cheikh, j'ai une question. Attendez. Alhamdulillah. Donc oui, un frère m'a envoyé sa question. 13e question. Ma femme est issue d'une famille musulmane non pratiquante. Elle a des ambiguïtés sur la croyance, a du mal parfois à se dire que tout cela est possible, à croire à ce qui n'est pas palpable, réel. Comment combattre cela et l'aider à dépasser ça? Elle apprend la aqida depuis peu, mais elle a parfois du mal à comprendre. Elle se pose beaucoup de questions et a du mal à avoir une foi ferme. Qu'Allah vous récompense, cher. Amin. Naam,
comme a dit le prophète Aslam, il a dit, Innama shifa ul'i su'al. Celle-là, elle est malade. Non, celle-là, elle est malade. Celui qui a posé, son mari qui a posé ici sa question, non, tout ce qu'il a dit ici, il veut dire par là qu'elle est malade, elle a une maladie. C'est quoi sa maladie? C'est l'ignorance. Et l'ignorance, c'est quoi sa guérison? Non, son médicament, c'est quoi? C'est comme a dit le professeur Slam. Innama shifa ul'i su'al. Son remède, c'est quoi? C'est su'al. C'est poser des questions. Donc, c'est d'apprendre. C'est d'apprendre. Celle-là, elle est nouvelle dans la aqida. C'est maintenant juste qu'elle commence à apprendre. C'est normal, non, des années, peut-être qu'elle a 20 ans, 30 ans, âgée de 30 ans, peut-être 40 ans. Donc, 30 ans ou 20 ans, non, d'ignorance. Imagine combien de fausses pensées, combien de choses qui sont pas vraies se sont accumulées, non, dans son cœur et dans sa tête. Donc, c'est maintenant qu'elle commence à comprendre, à apprendre. Qu'elle commence donc à effacer. À effacer. Et qu'elle commence à sortir des ténèbres vers la lumière. Donc, son hal, sa solution, c'est quoi? C'est la persévérance dans l'apprentissage de la science, et plus particulièrement de la aqida. Donc, son mari, n'am, doit lui acheter les livres, n'am, nécessaires. Doit lui faire écouter, n'am, des cassettes, des doros, yani, de aqida nécessaires, n'am. Qu'elle peut comprendre, doit l'emmener, hein, quand il y a des doros de Aqida dans des mosquées, etc. C'est la responsabilité de son mari. Sinon, si lui, il est mashallah, il connaît bien l'Aqida, il lui apprend. Hein, il ouvre un livre simple, hein, de Aqida, simple, de les trois fondements, là, et il lui dit, voilà ce que disent yani, les savants. Les doigts, bien sûr qu'il lui faut beaucoup de doigts. Il lui faut des doigts, bien sûr. Mais les doigts avec la pratique, c'est-à-dire l'apprentissage de la science. À chaque fois, elle apprend quelque chose de nouveau dans la aqida, à chaque fois, elle efface quelque chose de faux. À chaque fois, elle apprend une nouvelle chose dans la aqida, à chaque fois, alhamdoulilah, elle efface automatiquement une chose de faux qu'elle a dans la tête ou dans le cœur. Que Allah subhanahu wa ta'ala l'aide et que Allah subhanahu wa ta'ala t'aide, toi son mari, qui a une grande responsabilité, yani, sur tes épaules. Que Allah subhanahu wa ta'ala t'aide, toi aussi. Naam. Tfaddal. Jazakum Allah khairan, Cheikh. Donc j'ai une question fiqh. Ce sera la dernière question, comme il est 10h, on va laisser Cheikh se reposer, Inch'Allah. Jazakumullah khairan, Cheikh. Donc, 15e question. Mon mari réunit le Maghrib avec le Isha, car au moment du Maghrib, il est au travail. Il les rattrape en rentrant. Quel est le jugement de cela, sachant qu'à l'heure du Maghrib, il ne peut pas la faire au travail? Quand la personne fait cette chose, de temps en temps, c'est permis. Par contre, la faire tout le temps, ça, il faut demander au grand savant. Si de temps en temps il fait ça parce que aujourd'hui il a eu tel problème, il n'a pas pu, il a regroupé. Ça. Mais s'il fait ça tout le temps, de façon à ce que khlas, il y a plus de prières Maghrib toute seule et Aïcha toute seule. Sauf le week-end quand il est à la maison. Sinon c'est toujours comme ça. Hadi Allahu alam. Et cette chose ne peut être possible, yani. Voilà. Ça, barakallahu fik. Cette chose ne peut être possible que si vraiment, 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 la personne a fait toutes les causes et n'a pas trouvé de moyen de prier. Sinon, je pense que quelqu'un qui cherche et qui est assidu aux prières cherche yani, une excuse comment prier alors. Femme. En priant dans la salle de bain, en priant dans le garage, ça dans le travail. En priant dans un coin retiré du couloir, en priant dans les escaliers, en priant dans la terrasse, il trouve une excuse. Comment on va? Sans dire je vais prier. Il prie, il revient. Non.
Mais faire en sorte que ça soit tout le temps regroupé, regroupé, Allah, je ne peux pas prendre cette responsabilité. Ensuite, il y a autre chose aussi importante qu'on vient de faire remarquer ici. S'il n'y a d'autre solution que de regrouper, alors au moins la personne doit chercher un autre travail, faire des efforts pour chercher un autre travail où elle peut prier chaque prière en son heure. Non, ce n'est pas dire je ne peux pas donc je regroupe et Allah est pardonneur. Non, je regroupe, d'accord, s'il y a que cette solution, mais il faut que je cherche une solution. Solution, comment y regrouper, comment y peut-être je trouve un autre travail. Non. Et ici, c'est très important, il ne faut jamais comparer entre les salaires. Et dire, oui, mais si je trouve un autre travail, j'aurai 100 euros en moins. Non, 100 euros en moins et tu pries à l'heure. C'est mieux que 300 euros en plus et tu regroupes entre les salades ou alors tu ne pries pas du tout jusqu'au soir. Enfin, il faut pas entre les salaires par rapport au dîn. Le dîn, c'est tout. C'est notre vie, c'est notre paradis, c'est notre enfer. Et les euros, ça part très vite. Que ce soit des centaines, des milliers ou des milliards. Ça part, même, et il ne restera que yani, ce qui rapproche de l'Osprano Azzawajal. Tu as quelque chose avec laquelle on termine, Habib? Il dit ici un rappel sur l'apprentissage de la Aqidah. L'apprentissage de la Aqidah est obligatoire pour toute personne. Il n'y a aucune personne qui est excusée. Toute personne doit apprendre la Aqida. Mais bien sûr, d'après les niveaux. Il y en a qui ont un niveau qui va lui permettre de lire Tahawiyyah et plus. Il y en a qui ont un niveau, il peut lire seulement un et trois fondements et commence à monter doucement, doucement. Non. Sinon, pourquoi la Aqida est obligatoire pour tout le monde? Car la Aqida, elle fait quoi? Tu apprends à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Si ta aqida est fausse, donc tu attestes des choses qui sont fausses par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme les sectes, les Sha'arites, Maturidites, les Mu'tazilites, les Qadarites, les Karamiyyah, les Kullabiyyah, tous ces ont des fautes dans la aqida. Des choses fausses. Pourquoi? Parce que la aqida n'est pas juste. C'est pour ça qu'il faut apprendre la vraie aqida. La vraie aqida pour attester, yani pour attester la vraie aqida. C'est quelqu'un qui n'apprend pas la aqida, il connaît rien, par exemple, des noms et des attributs de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala a tel attribut, lui, il dit, il n'en a pas. Allah Ta'ala n'a pas tel attribut, lui, il dit, il en a. Et comme ça. Alhamdoulilah. Tayyib, je crois, yahdikoum Allah, pour tous ceux qui ont dit, yahamoukallah, je leur dis, yahdikoum Allah, yuslihou balakoum. Voilà, inshallah, pour aujourd'hui, naam. On va s'en compter, inshallah, ta'ala, la semaine prochaine. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته